Je vois une comparaison entre l'analytique RH et la pâtisserie. À tout moment, avec l'une ou l'autre, vous pouvez ruiner totalement vos efforts. Et quand je dis à tout moment, c'est vraiment au sens littéral, parce que la dernière tâche à accomplir, la toute dernière, celle que l'on gère alors que le plus dur semble fait, cette dernière tâche n'est pas moins risquée que les autres. Cette dernière tâche, pour l'analytique RH, c'est la restitution des résultats. Le risque principal est le suivant. Comme l'analytique est un processus itératif de type essai-erreur, il est probable que vous ayez rassemblé beaucoup de documents. Vous avez travaillé dur pour produire de nombreux tableaux, de nombreux graphiques, plus intéressants les uns que les autres, bien sûr. Donc le réflexe naturel est de montrer tout ce que l'on a produit. Après tout, c'est dommage de gâcher.